Hello! Alors, je suis dans un parking, j'ai mis une robe avec mon attelle, c'est magnifique mon attelle, ma chevillère. Il fait une chaleur là-dedans, je crois qu'il fait 32 degrés. Donc, je vais sortir vite fait. Et donc, j'ai rendez-vous chez mon coach vocal, hein, comme d'habitude, et après, j'irai chez Papa Namite. Bon, là, vous voyez la même dans le sens inverse. J'ai fini, j'ai très chaud, il fait chaud dans le parking, c'est atroce. Je suis contente, j'ai le sourire aux lèvres parce que je viens d'avoir un appel pour mon école de danse. Déjà des gens qui veulent se renseigner, tout ça, qui veulent m'emmener toute la famille, donc c'est cool. Je suis contente. Elle me dit oui, je veux être sûre d'avoir des places parce que ça a l'air bien. Je suis sûre qu'il y aura plein de monde, que j'aurai plus de place. Donc c'est encourageant. Voilà de quoi mettre le sourire pour la journée. Anita, la grande cuisinière. C'est ça? Ouais. Et mon père qui a fait le jus de fruits. Faites pas là que si le plat glisse, hein, tu vas encore. Moi je vais nettoyer là. Je vais faire un bon jus de fruits. Pas comme certaines. Le grand nettoyage de printemps. C'est normal. Hein. Il y a que deux cuisses pour trois. Il manque quelque chose de ménage. Les gens ils vont croire que tu parles vraiment comme ça. Il manque quelque chose de ménage. Allez, Cookie le balafré. Cookie. Cookie. Il a une belle balafre sur la tranche, mais il va mieux. C'est une racaille ce chat. Là, vous avez raté un super truc, c'est qu'on avait toutes les deux des poufs sous les bras. Mais je pouvais pas filmer en même temps, vu que j'avais un pouf sous chaque bras. En fait, ça donne ça. Ouais, une pouf parmi les poufs. Ah oui, avec la Codan Gift un peu. Vas-y, parle-moi, je t'y. Avec la Codan Gift. Tu vas voir la pouffe, qu'est-ce qu'elle te dit. Bon, alors là, je suis dans la Papa Mobile. La Papa Mobile, c'est pas la voiture du pape. Si, hein. Enfin, la Papa Namite Mobile. Donc, c'est la belle voiture, grande, mais on la remplit. Là, il y a les meubles pour la salle. Et les poufs. Ils sont trop choupinous, les poufs. Et la pouffe, elle est là. Elle est encastrée dans... Oui, la pauvre, elle a dû avancer son siège pour qu'on puisse mettre tout le bazar. Mon père, quand il va nous voir arriver avec ça, il va prendre peur. Surtout qu'en plus, je vais décharger chez lui, je vais tout mettre chez lui. Enfin bref, hein, voilà. Gros plan sur les poils de bras. Le mec devant nous, on ne sait pas s'il a des flatulences ou quoi, mais à chaque fois qu'on s'arrête, il ouvre la portière. Je suis contente, je viens de recevoir mes flyers. Ils sont trop beaux. Et ah, mon téléphone qui sonne, super. Ils sont beaux, ils sont grands par contre, je les imaginais plus petits que ça. Bon, bah faut que j'aille découvrir. C'est vrai. Bon, je suis en direct de chez Karine. Oh yeah. Coucou. C'est toujours les mêmes. Elle, hein, c'est... Regarde. Et... Ah ouais, Marley. Dis coucou. Coucou Marley. Ah non, avec, pas avec la sucette. Coucou Marley. Oh, regarde la photo de famille. Attends, moi je suis seulement en fait. Papa, voilà. La star. Et une clochette qui sent les pieds, elle a pas peur. Pas peur, moi. Caché. Petite Sacha. Là, je me prends le chat. Tu l'avais même pas mis en route. Ah ouais, bah, moi je suis. Mais t'es un bêtise de vrai. C'est bon, on a fini de parler, on peut y aller. Putain, cette équipe alors. T'as vu, hein. T'es d'accord avec moi. J'ai trouvé un danseur. Ah, là, on va parler de choses sérieuses. Danse. Ouais. Tu danses le zouk. Marie-Thérèse. Ouais, moi je danse qu'avec des. Il se demande ce que tu lui fais là. Ouais, vous vous mettez pas dessus, hein. On va pas être copains. Il y a Lana là en photo. Hein? L'arrière. Ah oui, on voit les. Tu vas me tirer la perruque. Ah oui, t'es belle là, j'avais pas vu cette photo. Oh,
Changement de cavalière, il a pas apprécié la possibilité. Maintenant, ok, moi, fais la gueule, je l'ai traumatisé. Allez, t'as la musique en plus. Non, mais peut-être qu'il aime pas danser. Hein. Pour ça. Hein. Non, pourquoi tu fais la gueule? Il a peur. Surtout quand tu fais jamais la tête. C'est ma copine! Ma copine Clochette! Oh. Elle est belle! Oh, maman menu! Voilà, elle m'a mis un claquonnette gif! Bon, ce qui vient de se passer, ça reste entre vous et moi, d'accord? Alors, Charlie? Alors? Ça va? C'est le chat qui se cache là. Ah, tu l'as vu? Mente. Alors, Karine a inventé une nouvelle recette, c'est le mojito à la coriandre. Alors, ça n'a pas le goût du mojito. T'as mis de la coriandre? Mais c'est pas dégueu. Eh ben, c'est pas dégueu. C'est sûr, c'est pas de la menthe. Il est où mon verre? C'est-à-dire qu'en fait, comme elle n'a pas mis d'alcool dedans, elle a tout bu et du coup, après, elle a mélangé les herbes. Mais c'est quoi ce goût là? C'est du coup, c'est le goût de la coriandre, on est d'accord. C'est du persil arabe. Oui, c'est vrai. Non, mais qu'est-ce que tu joues? Alors, t'as mis de la menthe et de la coriandre dans le riz confit? Ah non, j'ai mis du jambon, des petits pois et de l'anglaise. Et de soja à Nurman. Normalement, on n'a pas le droit d'être debout sur le canapé. Non, normalement, non. Mais là, on est tous debout sur le canapé. Il y a Shams, mais on le voit pas. Mais sans moi, tu l'es. Et où est-ce? Ah bah comment tu me connais en fait? Oh. Bah je t'ai déjà vu. Moi on voit tu m'as dit. Attends, fais gaffe, j'ai. Franchement. Non, parce que je le vois bien. La tarte est complètement éclatée. Voilà, Marlou. Merci à maman. C'est côté Karine. Viens là-bas. Doudou, viens. Deux minutes. Oh, tranquillou, le chat. C'est joli. Là. Retournement de situation. Hop là, il est venu. Non, maintenant il est plus à l'aise. Avant, on ne le voyait pas. Hein. Coucou, je ne suis pas nue. Ça va être tous les jours, je vous dis que je suis pas nue. Un jour, je vais filmer à poil et je dirai rien. Je vous vais partager mon petit coup de cœur du moment. Déjà, je suis rentrée à la maison. Et ça, en fait, c'est bon, c'est pas le verre, hein, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Bien que le verre soit très joli, hein, il vient de chez Casa, je crois, de l'année dernière. Ça, c'est le l'iced tea au mojito de Lipton. C'est super bon, c'est vachement rafraîchissant pour l'été. Je bois que ça en ce moment. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire, donc voilà, bah sur ce je vais vous laisser. On a passé une super soirée chez Karine et Alain. Demain j'ai rendez-vous plus tôt chez mes Russes. On va continuer le tournage du clip, ça va être cool. Et voilà, et le soir j'ai cours avec les adultes. Et le soir on ira, enfin après le cours on ira au restaurant, parce que c'est le dernier cours de l'été. Et c'est en même temps le dernier cours dans cette salle là hein. Les prochains que vous verrez, ce sera dans ma nouvelle salle. Voilà, et j'ai reçu les flyers, bah oui, ça je l'ai déjà dit. Voilà, donc il y a mon numéro de téléphone dessus, n'en abusez pas s'il vous plaît, c'est juste, si vous m'appelez, c'est pour les cours de danse. Je suis obligée de diffuser avec mon numéro, bien entendu, sinon personne ne va m'appeler. Donc voilà, après si vous voulez m'envoyer un petit texto pour, voilà, ça ne me dérange pas, mais que vous ne me harceliez pas d'appel, quoi, ce serait cool. Voilà, allez sur ce, bonne nuit.